Hey, what's up les amis, c'est Sylvain, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau Command Paris. Donc je vais vous présenter vaguement le gameplay, c'est une domination sur Ejaket, donc je suis à la PDW57, je joue avec le silencieux et la poignée il me semble, je ne me rappelle plus exactement de quels accessoires j'avais. C'est un assez bon gameplay, sans plus non plus, mais je trouve que c'est quand même un assez joli gameplay. Donc aujourd'hui je vais vous parler de nouvelles choses, donc je vais partir en vacances là bientôt, bah même demain soir je ne pourrai pas sortir de vidéo pendant une semaine, donc je m'excuse de ma future inactivité, donc je vais essayer d'upload ce commentary et un Oblem ce soir, et peut-être que demain matin j'essaierai de vous refaire un commentary si j'ai le temps. Donc ensuite je me suis dit qu'il serait donc pas mal de vous parler de Call of Duty Black Ops 2, pourquoi pas enfin traiter du sujet vu que je n'ai fait qu'un live et que deux lives sur ce jeu, je n'ai pas vraiment. En plus j'ai des gameplays à vous proposer mais je trouve pas forcément de sujet de discussion intéressant. Et puis voilà, donc j'ai enfin trouvé quelque chose qui peut être assez sympa. J'ai réalisé récemment un 94-15, donc mon plus gros massacre. Donc j'attends vraiment d'avoir un commentaire parfait pour ce gameplay que je voudrais envoyer à des chaînes communautaires. Donc pour parler de Call of Duty Black Ops 2, je me suis dit pourquoi pas aborder le sujet donc des massacres, enfin des gros kills, de tout ce qui est plus de 70 kills et pas trop de morts non plus. Il y a des jours comme ça avec on se sent plus doué avec une arme qu'avec une autre. Et puis je sais pas ce qui m'est arrivé, j'ai commencé première partie de la journée, je fais un 26-24, qu'est-ce que je fais en deux vies? Je remonte à 50-26, donc plutôt une assez jolie partie. Après la deuxième partie, c'était sur Nocturne, je crois que j'avais la MSMC et j'ai vraiment réalisé un pur massacre et j'étais très fier de moi. Je compte vous proposer le gameplay prochainement et je trouve que c'est quand même beaucoup plus difficile de réaliser des massacres sur ce Call of Duty Black Ops 2. Du fait que la vie a été augmentée, mais aussi que les armes que la communauté évolue, je trouve, de moins en moins bien. Donc après, ça dépend. On peut trouver quand même des parties avec un bel esprit pendant la partie. Mais on a quand même tendance à trouver des gens qui jouent, on va dire, de façon pas très fair play, qui utilisent des armes un peu... Non, je peux pas dire qu'elles sont cheatées. Pour moi, il n'y a pas d'armes cheatées. Le seul défaut du jeu qu'il peut y avoir, qu'il n'y a pas toujours, c'est la communauté. Pour moi, je pense que ce Call of Duty va finir mon Call of Duty préféré. Enfin, jusqu'à maintenant, c'était Call of Duty Black Ops, premier du nom. Et vu comment celui-ci évolue, je pense qu'il va finir, en tant que mon Call of Duty préféré. Et donc j'ai remarqué quand même que sur MW3 et même Black Ops, voire MW2, j'avais quand même tendance à faire de beaux gameplays, enfin de gros massacres. C'est sûr que je ne vous ai pas proposé des gameplays de ouf. D'ailleurs je m'en excuse, mais avant d'avoir mon HDPVR, mon Avermedia, c'est vrai que je jouais pas mal. Et j'avais tendance à faire quand même de beaux gameplays dont j'étais assez fier et dont je suis toujours fier maintenant. Et je me suis dit que ce Call of Duty Black Ops 2, je trouvais quand même plus difficile. Donc après, on a eu la même chose que sur MW3 et Black Ops pendant le premier mois. Il y a eu que des droits. Enfin, c'était le kill streak le plus utilisé de tout le jeu. À toutes les parties, il y avait un drone, donc si on n'avait pas fantôme, c'était assez fichu pour soi pour faire de gros massacres. Mais là, je commence à avoir un peu le jeu en main, je commence à réussir à faire des séries, et bien que la vie a augmenté, on s'y fait vite, je trouve. Après, il y a une petite chose que je trouve assez dommage, qui était bien dans W3, c'est que la barre de feed était plus grosse, et on pouvait mieux... Enfin, je trouvais ça plus intéressant au niveau des montages. Ensuite, je trouve que les armes sont vraiment équilibrées désormais. Si une arme est trop puissante, et bien elle va avoir une cadence de tir élevée et un gros recul. Si une arme a plutôt une petite cadence de tir, elle va avoir tendance à avoir un petit recul, ou comme là pour le coup une puissance élevée. Mais si une arme a par exemple une trop grande cadence de tir, et bien on va lui baisser sa puissance. Enfin, je trouve que les armes ont vraiment été très bien équilibrées. Enfin, ça c'est plutôt au niveau des mitraillettes et des fusils d'assaut. Après, je pourrais parler aussi
de ce qui est fusil à pompe. Comme vous le savez, bah, j'ai commencé ma chaîne en tant que shotgunner, enfin c'est comme ça que j'aime le dire. J'adorais les fusils à pompe. Et il se trouve que j'étais à la fois déçu et heureux des fusils à pompe dans Call of Duty. Donc pourquoi déçu et pourquoi heureux? Eh bien déçu un peu du Remington, enfin pas du Remington en fait. Le Remington a ses bons côtés, ses mauvais côtés. Il one-shot plutôt souvent avec un canon long, je trouve qu'il est très bien. Et si on met la balle bien sur le mec avec un viseur laser ou un viseur réflexe, ça peut être très pratique. Ensuite, ce qui m'a un peu déçu, bah, et plus aussi à la fois, c'est le cas G12. Après, les autres fusils à pompe, j'ai pas vraiment eu l'occasion de les tester, et puis pour peu que je les ai essayés, ils m'ont pas vraiment commenté. Et pour ce qui est du cas G12, bah, c'est vraiment un fusil à pompe avec un canon long qui est très très puissant. Enfin, il est vraiment excellent, je trouve. Mais si on ne met pas la balle sur, enfin, la cartouche sur l'ennemi, on n'a même pas de hitmarker. Enfin, c'est très dur de mettre des hitmarkers au corps à corps avec ce pompe si on touche le mec. Enfin, j'en ai jamais mis au corps à corps. Les seuls hitmarkers que j'ai pu mettre, ce sont des distances. Parce que si la cartouche ne tombe pas sur le mec, il ne prend pas sa balle. Donc c'est un peu dommage, je trouve. Parce qu'on croirait presque pouvoir jouer avec un sniper. Donc après, avec de l'habitude, ça peut devenir sûrement peut-être pas la plus grosse arme du jeu, mais vraiment une très très bonne arme. Mais ce qui fait aussi le défaut, bah, donc c'est cette précision qu'ils ont voulu valoriser la difficulté, ils ont voulu valoriser la puissance de l'arme, mais aussi en augmentant la difficulté, oui, qu'il fallait la difficulté pour jouer avec et pour être bien sur les ennemis. Ensuite, pour ce qui est des snipers, bah, moi j'aime bien jouer au sniper, de temps en temps ça m'arrive de faire des petits trucs sympatoches. Et il se trouve que j'apprécie beaucoup le Ballista, je trouve que ça rentre mieux qu'avec le DSR. Donc le DSR, c'est sympa, me rappelle un peu les snipers de Code 4, donc je les aimais bien, mais c'était sans plus. Alors que le Ballista, j'ai l'impression de jouer avec un MSR de MW3 avec Bande Gâchette, donc qui était d'ailleurs mon sniper préféré avec le L11, avec le L57. Et donc il se trouve que j'aime beaucoup le Ballista, mais qu'il met un peu trop de hitmarkers à mon goût, parce qu'on peut très bien mettre des hitmarkers dans le torse, alors que le DSR en met beaucoup moins. Même dans le torse, il en met très peu, il m'arrive d'en mettre, mais beaucoup moins. Alors que, comme je l'ai dit, le Ballista, le DSR arrive même à one shot par exemple dans la cuisse, alors que Ballista, une balle genre dans le bassin, bah ça le tuera pas. Et ce que je trouve assez dommage pour ce sniper. Ensuite, pour en revenir au. Aux armes en général, et puis il y a aussi après les tout ce qui est lanceurs et tout, je trouve qu'on les retrouve pas trop. En fait, le problème de la communauté, c'est non, c'est pas tout ce qui est kill streak, mais c'est plutôt tout ce qui est campeur, les mecs qui vont vous attendre, ou comme avait expliqué Squeezie, les B-trickers. Donc la Betty, je trouve que on peut prendre le coup de main pour l'éviter, c'est pas si dur que ça, il suffit de se baisser d'un cran et elle vous ne vous tue pas. Mais j'avoue que la Betty plus la charge électrique est parfois un petit peu abusée et on n'a pas forcément l'occasion de se baisser ou de l'éviter. Quand elle nous arrive dessus, on s'en prend pas vite compte. Après, il y a des kill streaks que je trouve assez intéressantes, tels que le gardien. Donc quand on joue dans un mode objectif, ça peut être vraiment très très pratique. Je trouve pas ça cheaté pour autant, parce qu'on peut très bien s'en sortir et un petit chargeur est vraiment... Ensuite, pour ce qui est des accessoires sur les armes, donc enfin des classes, pour pouvoir créer sa classe, vu qu'on peut avoir. Maintenant, c'est plus comme avant, c'est on a des points, et une arme vaut un point, un taux vaut un point, on a des jokers, on peut mettre deux atouts, mais le fait de mettre un joker et compte comme un point, et le fait de mettre un atout supplémentaire compte comme un point, donc ça compte deux points. Pardon, de pouvoir mettre un atout supplémentaire, je trouve ça plutôt intéressant, ça permet de faire des classes assez sympathiques et sans pour autant qu'elles soient cheatées, je trouve ça plutôt pas mal. Ensuite, il y a des trucs qui sont plutôt sympas, tels que donc la charge électrique, donc pas avec la Betty, enfin on peut les mettre mais pas poser au même endroit, ça je trouve pas ça abusé mais un peu bâtard pour ceux qui se rappellent, mais je trouve ça plutôt intéressant et franchement ça me plaît pas mal la charge électrique. On peut la poser à un endroit où on peut très bien la lancer sur un ennemi, bah, comme une flash à ce moment-là. Et ce que je trouve assez stylé dans la charge électrique, c'est quand on la lance, elle part comme un tomahawk. Et je trouve que ça a un petit côté stylé, un petit plus pour cet équipement. Donc voilà, on arrive à la fin du gameplay. Bon, j'ai fini sur la 34-15. Vous avez pu voir mes impressions et mes avis sur l'arme. Je trouve que c'est plutôt. Mes avis sur le jeu de Call of Duty Black Ops 2. Honnêtement, je trouve que c'est plutôt un bon jeu et pour ceux qui n'ont pas acheté, honnêtement, je vous conseille très fortement de l'acheter.
Allez, ciao les gens, c'était Saven. Bye. Attention, drone de chasse ennemi en approche.